You and I had got so far, the burning fire from a spark. We defied the fear, but now we're here in a screaming riot in the dark. Flying high, but far too far. You cut the wire, hit the wall. You pushed me down, you broke my crown. De ces Humility, j'espère en tout cas que ce montage vous aura plu. Alors c'était un event qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours, il y avait à la fois des joueurs mais aussi des gens de la presse qui sont venus parce qu'ils nous ont présenté plein de projets, donc j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec pas mal de gens du staff, notamment Anthony Roux, donc Tot, un des fondateurs donc d'Ankama et le directeur actuel d'Ankama. Donc il y a plein de projets qui vont venir dans les prochains mois, prochaines années. Il y a 90% donc dont je peux pas vous parler. Malheureusement d'ailleurs, j'aimerais beaucoup vous en parler, mais en tout cas ça présage que du bon pour ce qui va sortir. Bon, j'ai eu des infos sur Dofus 3 dont on avait déjà parlé il y a un moment, sur les futures mises à jour de Dofus, de Wakfu, de l'animation, de la série animée, voilà, de Cross Maga, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler des projets qui nous ont présentés, parce qu'il y en a eu pas mal quand même. On va parler d'abord de Dofus Touch, parce que c'est sorti aujourd'hui, donc sur les téléphones. J'ai eu pas mal donc de commentaires et de retours positifs concernant le jeu. J'ai pu le tester même avec Colère, donc Brian, juste cet après-midi. Il est sorti aujourd'hui, hein, vous pouvez le télécharger sur la plupart des téléphones, donc Android et iOS, hein, c'est réservé à iOS et Android. Donc ben voilà, si vous avez envie d'essayer, foncez, il y a encore quelques petits bugs, etc. Mais globalement, ça marche plutôt très bien, il y a eu de bons retours. D'ailleurs, j'ai parlé donc du cas Dofus Touch sur tablette, et apparemment ça marche très bien, même mieux qu'il n'espérait, surtout qu'il y avait eu la sortie de Pokémon Go, etc. en même temps. Donc le jeu marche très bien, il y a plusieurs dizaines de milliers de joueurs actuels, donc voilà, c'est, bah, c'est super cool, hein. Je suis content qu'un jeu sur tablette et maintenant sur téléphone mobile marche bien, surtout que c'est, voilà, c'est un marché important, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc là-dessus, voilà, ils nous ont présenté le jeu, un petit peu dit comment ça allait évoluer, donc voilà, que du bon là-dessus. Dofus Touch va continuer, il y a une équipe qui travaille dessus et ça risque d'être toujours aussi bien que le jeu au fil des mises à jour. Donc concernant aussi Cross Maga, donc ça c'est hyper important, c'est un jeu que j'attends parce que j'aime beaucoup le style de jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu donc de cartes et en même temps Tower Defense, donc il y a quelques côtés qui se rapprochent de Hearthstone, si vous connaissez, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc le jeu a beaucoup changé depuis l'alpha, on avait pu tester l'alpha il y a un moment et le jeu a quand même beaucoup évolué, beaucoup changé. Il y a beaucoup d'animations avec la map, etc. Il y a des nouveaux dieux, donc ça on peut pas vous en parler, on peut pas vous présenter les cartes. Mais en tout cas, vous le savez, il y a forcément tous les dieux qui vont arriver petit à petit, avec un système de héros, un système de deck différent selon le héros qu'on a choisi. En tout cas, c'est vraiment sympa, on a pu faire quelques petits combats avec, et vraiment cool. La bêta, en fait, devrait arriver dans les prochaines semaines, mois. Il n'y a pas de date exacte donc à vous donner, mais en tout cas,
Je peux vous dire que ça va bientôt arriver et que voilà, il me tarde de tester la bêta tout simplement. Donc ce sera d'abord une bêta fermée, ensuite une bêta ouverte pour tout le monde, puis la sortie officielle. Donc ce sera d'abord sur Mac et PC. Donc d'abord voilà un vrai jeu sur ordinateur. Et ensuite, je dis pas que c'est un faux jeu sur tablette, mais non, c'est pour différencier les deux. Et ensuite, ça sortira sur tablette dans les mois qui suivront. Donc je sais pas exactement quand, mais en tout cas pareil, ce sera iOS et Android. Donc voilà, on pourra jouer à Cross Maga en tactile, donc ça c'est vraiment cool. C'est un aspect de Hearthstone que je trouve intéressant. Je l'ai sur mon iPad et j'y joue de temps en temps quand je vais me coucher. C'est vraiment cool. Là au niveau des jeux, c'était les deux plus gros qui nous ont présentés. Il y a aussi tout simplement le film Mutafukaz, donc qui a été annoncé il y a super longtemps. Il y avait une bande-annonce, etc. Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est un film que j'attends aussi de voir ce que ça va donner. Surtout que l'animation est très belle. Je vous mets l'extrait du coup en vidéo. J'ai pas eu plus d'informations, juste que ça allait sortir pareil dans les prochains mois, donc un peu plus tard quand même que Cross Maga. Pas de date exacte non plus, mais honnêtement, l'animation chez Ankama, c'est quand même globalement une réussite. Notamment avec voilà, la série Wakfu que j'adore, qui est une de mes séries préférées, avec le film aussi. Et du coup, j'ai hâte de voir un nouveau film de chez Ankama. Donc c'est pas les mêmes réalisateurs, mêmes graphistes, etc., même scénaristes, mais en tout cas, ça reste quand même d'être sympa, rien que le trailer donne envie. Ensuite, il y a eu pas mal de jeux de plateau qui nous ont été présentés. J'avais déjà joué à Crossmaster Arena, c'est la V2 qui est déjà disponible, ça j'y avais déjà joué, j'avais déjà essayé. Il y avait Gang Rush D3 qui devrait sortir l'année prochaine, et aussi 75 Gnome Street, qui est une référence à 21 Jump Street, et un jeu aussi assez complet, hein, des jeux de société. Ankama, ils essayent aussi de se mettre dans les jeux de société, et c'est vrai que honnêtement, ça se perd un petit peu le jeu société, mais c'est quand même vraiment cool. Si vous faites des parties avec vos amis sur des jeux du style Monopoly, etc., ça vous rappelle des souvenirs. Et c'est vrai que des nouveaux jeux comme ça, c'est vraiment cool. Moi, j'adorais et j'adore toujours La Bonne Paye, c'est un de mes jeux préférés de plateau comme ça. Et c'est vraiment cool. Et du coup, voilà, tester ces petits jeux, c'était vraiment très agréable. Et puis, même voilà, c'est toujours cool d'aller voir Ankama, d'aller discuter avec eux sur les projets. Sur la série Wakfu aussi. Donc je pense que vous connaissez déjà toutes les informations. Il y aura donc 13 épisodes de 23 minutes, un truc comme ça. L'animation est vraiment belle parce qu'il y a une amélioration aussi avec le film, du fait qu'ils ont eu plus d'expérience. Donc la série va être vraiment belle, plus forte encore, c'est-à-dire plus intéressante au niveau des personnages, de l'histoire, plus d'approfondissement. Ça va être vraiment joli. C'est à la fois France Télévisions et Netflix, donc il y aura les deux, pour ceux qui avaient peur un peu que ce soit que sur Netflix. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là-dessus, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je peux pas vous parler de Dofus 3 ni des refontes futures qui vont arriver, parce que voilà, c'est motus, c'est bouche cousue là-dessus. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye.